Salut les geekos, c'est Steph et on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui est arrivée direct après la première où je vous souhaitais mes vœux de bonne année pour vous faire découvrir la Game Room 2.0 parce que j'ai tout modifié dans la Game Room. Donc je vais me lever, je vais changer la phase de la caméra et on est parti pour vous faire découvrir tout ceci ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans ma cave et on est parti, je Et bien change voilà, de donc fond. comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup eu de changements dans cette Gaming Room 2.0. Et on va commencer avec la première étagère. Donc voilà. Je vous montre, hein, je vous fais découvrir tout ceci. Ma petite figurine. Mes trois petites figurines qui me restent de Marvel. Les autres, je les avais offertes. Marvel, DC, je vais me faire flash. Je vais me faire flinguer. Donc, les petites figurines DC. Les autres, je les avais offertes à mon frérot, Sepp Pepel. Juste en dessous, ben, vous retrouvez ma... le début de ce qui sera ma collection Dragon Ball. Donc, ceci, c'est des sous de verre. Je les avais déjà présentés, hein, si vous vous souvenez. Hein, vous voyez, ce sont des sous de verre Dragon Ball. Je crois que je vais même les laisser ainsi, comme ça on les voit mieux. Voilà, ici ben, les livres, hein, pour le moment je suis au 11. En dessous, ben, c'est le vide. Mais il y a mon petit Gizmo qui surveille tout en dessous. Voilà. Et pour finir, la dernière planche avec les livres, les guides. On passe ici avec. Ce qui est les t-shirts que je vous ai présentés. Deux beaux coffrets d'animé avec une petite DS qui ne fonctionne pas. DS Game Boy Advance, mais qui ne. Non, une DS. Oh là 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 là, je ne sais même plus ce que je raconte. Ici, ben, quelques figurines Star Wars. Saw, Scream. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, fais-moi un beau petit zoom là-dessus, toi. Un peu plus haut, ben, quelques figurines manga, de jeux vidéo aussi. Voilà. Juste encore un peu plus haut, mes chevaliers du Zodiaque, mes figurines Akira. Un petit Pokémon. Tout, 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 tout. Une figurine clown d'Akira. Juste derrière et sur le côté, vous avez les figurines Buffy. Là au-dessus, on va continuer, hein. Vous avez quelques Skylanders. Voilà. Des tasses, des petits gobelets. Et des pop-corn. Donc, nous redescendons ici, mais vous avez bien sûr tout ce qui est jeu. PlayStation 4. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein. On va achever dans la ligne. Et là, vous avez ce qui est Blu-ray. Je vais reculer un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Je vous montre à vitesse rapide quand même. Ensuite, vous avez quelques DVD. L'autre partie se retrouvera autre part. On reprend ici avec les jeux PS3. Et ma figurine Scream, bien sûr. Mon pop, pas ma figurine. Donc, quelques jeux PS3. Hein. Donc maintenant les miens et ceux de mon gamin sont rassemblés ensemble. Je trouvais que ça allait mieux. Voilà. On repart directement ici avec mes CD audio de bande originale de films et d'animés. Mes quelques jeux DS. Donc de la 3DS et de la DS. Mes quelques jeux Dreamcast. Mais quelques jeux de PlayStation 1, mais comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, c'est quand même tous des originaux, hein. Voilà, ils n'ont peut-être pas de cover, mais ce sont bien tous des originaux que j'ai trouvé en loose. Mais quelques jeux Xbox, mais quelques jeux GameCube. Oui. Switch. Mes deux figurines Sonic. Quelques CD audio qui me restent. Mes jeux PS2 et ceux de mon fils. Ici en dessous, ben, vous avez les DVD de mon fils. Comme ça, vous les voyez. On repart ici, ben,
les jeux 360. Les miens, mais il y en a beaucoup plus à mon fils. Ma petite PlayStation 1 qui est là dans le coin. Avec les manettes de la Wii et de la Dreamcast. Ici au-dessus, ben, vous avez une étagère avec des livres. Donc la fameuse trilogie Civil War. Quelques Akira, Ghost in the Shell. Non, des Ghost in the Shell et des Appleseed, pas d'Akira. Ah, des quelques comics. Ici, ben, des Fairy Tail, j'en ai quid. Là, vous avez les guides. Et ici, le reste des DVD. Juste en dessous, mes vinyles. Avec mon lecteur vinyle. Mes trois consoles, mes quatre consoles branchées sur cette télé. C'est un écran plat qui s'adapte en 50 Hz aussi. Donc voilà, super content d'avoir trouvé ça. Je vais reculer pour vous faire une vue d'ensemble de la Game Room. Hein. Voilà à quoi ressemble ma petite pièce à moi. Donc, ceci que vous voyez là, ben, c'est où ce que je pose mon téléphone pour filmer. C'est rudimentaire chez moi, mais voilà. Ceci, c'est ce qui me reste à vous présenter dans une future vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de la Gaming Room 2.0 vous aura plu. Comme vous avez vu, j'ai fait beaucoup de modifications, j'ai réarrangé à ma manière. Cette fois-ci, ça ne bougera quasi plus. C'est un ou deux trucs qui va bouger de place, mais ça va rester comme ça. Donc, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, faites chauffer vos pouces.